Je dirais bien que pour ça, à chaque fois, on peut avoir quelques difficultés au départ, mais c'est toujours comme ça, c'est normal. Donc, le démarrage est toujours un peu difficile. C'est une fois qu'on a démarré, surtout quand la population elle est impliquée à fond dans le... Parce que nous, c'est ça le plus important, c'est l'implication avec la population. Et donc, ça c'est très, sincèrement, là, ça s'est très bien passé. Les jeunes, au début, ils étaient un petit peu en retrait chouillant. Ils ne veulent pas m'attirer. Au fur et à mesure, ils se sont impliqués. Sincèrement, souvent, très souvent, ce sont ceux qui viennent d'ailleurs qui trouvent du positif. Ils s'adaptent facilement, ils ne se plaignent pas de la situation. Au contraire, ils se donnent à fond parce qu'au même temps qu'ils donnent, mais en même temps, ils apprennent beaucoup de choses, c'est-à-dire la relation humaine, etc. Je sais, ils partent avec beaucoup d'émotions qu'ils ont. Honnêtement, le bilan il est positif depuis la première édition, on revit les mêmes choses. Finalement, c'est les villages qui font la formule de nos fans, elle est imparable. Oh. On se met, et ça me rappelle un peu la formule de Aïssat de Winat Ben Media Ben. Descendez la révolution dans la rue, le peuple apprendra. C'est la même chose pour la culture. Descendez, monter la culture dans les villages, descendre. Si on doit monter ou descendre, et le peuple, les villageois l'apprendront. C'est un engouement pour... C'est terrible, on est à chaque fois accueillis de la même façon, la convivialité, il y a une magie dans ce festival, il y a une autre, et ça se passe très très bien. Donc Jmaïsserij n'a pas dérogé à la tradition, ça se passe à merveille. Même les petits problèmes, les autres villages nous font des dégâts, c'est les deux premiers jours. C'est dur, pourquoi? Mais chez les villageois, c'est nous. La formule, on arrive par surprise dans le village. On vient, 3, 4, 5 réunions, c'est pas suffisant pour que le village, ça se fait pratiquement dans la discrétion, parce qu'on a tenu quelques réunions à la maison de jeunes, une ou deux réunions de la mairie. Et puis on débarque avec 150 artistes, dans plus de 30 venus de différents pays donc du monde, hein, Congo, Liban, Italie, Espagne, France, etc. Et dans l'air du tête d'art, au Réalimunara, il n'y a pas d'espace. Mais si vous êtes dans donc un centre de... l'événement, la manifestation est en immersion dans le village, c'est-à-dire dans le fait de village. Il y a un festival, parce qu'il y a quelques affiches qui l'annoncent, quelques banderoles, etc. Mais sinon, c'est un festival qui est... Quand tu dans le village, tu peux trouver des artistes ou aller dans la fontaine. Il y a eu être tous en atelier dans la maison de jeunes, des artistes sont répartis dans le village. Il nous arrive de rester deux jours sans nous voir. Il y a des artistes, ça fait deux jours que je n'étais pas habitué, t'es où, etc. C'est un festival exceptionnel sur ce plan-là. Et l'accueil, il est formidable. On a eu raison de faire confiance à la population, puisque chaque année, depuis 9 ans, donc la formule, on peut la breveter, hein. On peut dire que c'est sûr, c'est du 100%. L'expérience est concluante, et je m'assure, ils n'ont pas dérogé à la tradition, un accueil extraordinaire. Mais avec Dina Denis, ce qui a le charme du festival, c'est que chaque année, il y a l'empreinte du village. Dans chaque village, il y a une réalité. Il y a une danse, c'est les mêmes coutumes. Mais il y a une empreinte quand même du village. Cette année, l'empreinte, par exemple, du Masséric, c'est une terre d'histoire. C'est les vestiges romains. Il y a beaucoup de vestiges aussi kabyles. Il y a plein de choses. Mais c'est aussi les sources. C'est pour ça que le thème dans cette année, c'est sur le chemin des sources. Il y a plein d'eau. C'est un village où on trouve l'eau partout.
grâce d'Israël, grâce d'Israël, pourtant il y a une canicule qui est tombée sur le pays, et pourtant, il disparaît. Parce que dès que tu as soif, tu vas à l'étranger, tu as une source, tu as de l'eau fraîche, etc. Alors c'est tout ça. Et Raconta, c'est aussi un festival qui présente énormément d'activités. Et Esbessa, voilà le programme. Esbessa, ce qu'il y a de bien, c'est que des artistes de renom nous ont appelés pour participer. C'est-à-dire, on s'est fait un an maintenant. C'est un festival qui est un peu installé dans la région. Youssef Dakhlidé, on ne l'avait pas invité, c'est lui qui a voulu participer. Il nous a fait un passage extraordinaire. Intégré aux arts, j'aime dire, c'est en exclusivité pour la Cantal. Elles sont à Paris, elles font l'Italie, Paris, etc. Elles viennent spécialement pour la Cantal. Et chez nous, il y a une main libre, etc., etc. Donc tout ça, c'est ainsi qui ne trompe pas. C'est un festival qui est établi. Qui est appelé à ce... Oui. Et qu'est-ce qu'il y aura le... Alors la prochaine étape, c'est Etienne. Le retour après 10 ans, on va boucler la boucle, la décennie d'Etienne. Tiens, il y a de bien pour l'instant, c'est vrai, l'un des problèmes, c'est nécessairement de Calnino, Denis Martinez, M. Hassan Metref. Chaque édition, on est à la première édition. C'est qu'un quart de 9e édition, mais en réalité, c'est la première édition. Parce que nous sommes dans un village. Chaque village a ses spécificités, donc c'est au festival de s'adapter aux spécificités du village. Mais l'édition qui était bien, pratiquement c'est le dernier jour, est-ce que c'est la clôture, qui était bien, on a senti une adhésion populaire. La population du village, il y a écouté que je me dis le festival. Ils sont en train d'organiser un volontariat, ils sont en train de faire un nettoyage, ça on ne leur a pas demandé. Donc tout le village s'investit dans de festival. Et ça, on l'a eu ailleurs, mais pas à ce degré-là. L'un des villageois, c'est etc. Donc il y a une adhésion populaire. Le programme officiel que nous avons prévu. Les jeunes du village, ils ont improvisé un programme off. Donc, du côté animation, du côté organisation, on voit que les villageois se sont investis dans Le festival La Katib Diner, il se déroule sous l'égide de l'Assemblée populaire de Ouliade de Tizi Ouzou, donc il nous alloue une subvention. On a aussi une subvention de l'Institut français d'Alger, ils nous ont alloué 35 millions. Donc c'est un festival qui fonctionne avec très très peu de moyens. Le budget, maximum 60 millions. Et je n'oublierai pas de citer le HCA, qui nous alloue une subvention de 10 millions de centimes. Donc ce n'est pas un festival qui se déroule à coût de milliards, comme les festivals institutionnels. Raseka, c'est un festival qui a un impact populaire réel. Les artistes, la population, il n'y a pas de barrière. C'est un festival qui a une nouvelle conception. On casse les barrières dans le festival. C'est un festival qui est aussi pris en charge par les villageois. Les villageois nous assurent l'hébergement et nous assurent la restauration. L'essentiel, c'est de faire un festival populaire. On n'a pas besoin de grands moyens. Si on avait 100 millions, ça nous aurait suffi largement. 100 millions, ça nous aurait suffi largement. Donc, une clinique aime la conception, non, des choses. Nous avons les villageois dans le Nord, donc on a un partenaire, donc soit un comité de village, soit une association culturelle dans le village. Mais, bon, le comité de village est très important parce qu'il a fait une tête d'aide, parce qu'il a fait à l'aise. Donc, on connaît tout ce qui est caché des artistes, tout ce qui est
transport, billets d'avion, transport, maintenant où les troupes nationales, on leur paye les bonbons. Donc, il n'y a que qui le prennent en charge, qui le financent. Les villageois apprennent l'aspect hébergement, restauration, et mais qui n'est pas exigeant. مف كان اريد شت انسكسو ان ان كن شت انت انت سكرتون انت نشيال لي زارتيست لا غيد نتساوي اون لي سونسيبيليزي اون افي ان طرافاي نقراسن اني ليا على حساب لي مويان لي فيلاجوا اي نزمن لي فيلاجوا فكي اون تدويل في الساعه الفيستيفال كي اون راكونتار راكونتي لي زار مذنك تيك في 8 ديسكار فاسكايا غينيا يال سكواس نتبدل طمناط نزور حارة طمناط النظام الساكين قلا في تدارت الجمعة السريج ذيني قرزن مليح مليح سواليض وسان داو كيف النانان سيال تما وسان سي ليبون سي فرنسا سي سي الجزائر سي التغمر ذاكي ديال الجزائر يال واذا شون الفن ينسي دي بويا وا توكلوت وا الشنا وا ذي ذبيسون وا تامدياز ذيني قرزن مليح سواليف يا ميم دي روين رومان اقلاق دي لا بلاص نتا دارت ثلاث فيرنا زادينا كينا تجمع نكي نستي ماديو تكارد كتابيني ونت مدياز يمي دغا فيك تاكي سوفغارد امود امينو نت مدياز وينو مسمى لا توبي ال اش ال سي لا فيرسيون فرونسيز نو موديو مسمى في برلين تسلوم يسد تكارد فيك تاكي ذين يسفاحن الغاشية تنادينا فهمان تنادينا ضغران تاغن تكتابين السقسيين حضرني التياتر حضرني لا ماجي حضرني شنا ندخل من Ha 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 ha!